Eh bien, salut à tous, c'est Shadow 2000 et on se retrouve sur Medieval de Total War pour un comment gagner. Cette fois-ci, on va partir sur l'une des premières campagnes disponibles dans le jeu, à savoir l'Espagne. L'Espagne qui correspond plus au royaume de Castille, à l'Espagne en tant que telle, est une faction qui est quand même assez simple, elle est disponible dans les premières factions du début et elle fait partie avec l'Angleterre et le Saint-Empire des factions que je conseille pour commencer le jeu. Simplement parce qu'elle est cheatée. Bon, outre cette petite remarque, en gros, vos forces sont des excellentes unités navales, des unités d'infanterie et cavalerie légère très bonnes, et vos faiblesses, un manque d'infanterie lourde et de bouclier en période précoce. Donc, oui, c'est vrai. L'Espagne est l'une des meilleures factions avec le Portugal en tardive, avec les Tercios, des unités d'armes à feu de très bonne qualité, les deuxièmes meilleures pour être précis. Des unités de corps à corps, notamment les conquistadors à pied ou à cheval, qui sont excellentes. Par contre, en tardif, elle est très très quelconque. Mais en campagne, c'est pas tout à fait vrai, vous allez voir quand on va lancer. Contrairement à d'autres factions, il y a deux provinces à prendre quand il faut faire la campagne longue, à savoir Jérusalem et Grenade. Mais en général, Grenade, vous la prenez très vite. Et en rapide, en courte, c'est là qu'on va voir. Parce qu'en soi, la longue, ce n'est qu'un logement où on fait que bouffer le reste de l'Europe. Donc en courte, vous devez tuer les morts et le Portugal. Puis se fait aussi très vite, on va voir. Du coup, El Famoso, royaume de Castille, hein, vous possédez une petite armée qui est assez sobre, hein, c'est classique, avec des troupes en renfort dans vos deux villes. Alors ça, en sachant que vous avez donc la capitale et la ville de León, et une forteresse en la présence de Tolède. Tolède qui peut déjà recruter des chevaliers en côte de maille et des ginettes, qui est un très très gros plus. Vous possédez également des mines pardon, dans vos deux villes. Cependant, si la mine de Tolède est très rentable, celle de Léon est une catastrophe. 80, c'est vraiment ridicule. Le nombre de tours qu'il vous faut pour la rentabiliser est quand même assez impressionnant. Donc bon, faut la faire, mais c'est pas une priorité. Vous avez également du coup deux princesses, aucun diplomate, Oui. et au niveau de la géopolitique, c'est un peu le bordel. Vous êtes entouré du coup du Portugal qui possède le Portugal, à savoir Lisbonne, donc une espèce de royaume de Léon plus, et la Navarre, on ne voit pas qui est par là, voilà, en la présence de Pamploum, qui est un château également. Recherche encore. Au sud, après la chute des Omeyyades, et quelques conquêtes que vous avez réussi à faire sur les différents nouveaux partis, vous avez du coup les Maures qui contrôlent le sud de l'Espagne avec Grenade et Cordoue, mais également Marrakech. Et ça veut dire que vous avez une religion qui est quand même assez mitigée. Elle est assez présente au nord et à l'ouest de l'Espagne, au sud et à l'est, c'est pas la même chose. Il va falloir remettre en place votre religion. À coup de prêtre dans ta tronche et de une bonne vieille inquisition, ça fait toujours plaisir. Cette campagne est assez particulière. Elle est à la fois très simple et très dure. Là, on est en moyen, mais en soi, les bails restent les mêmes, quelle que soit la difficulté, c'est-à-dire qu'il va falloir essayer d'éviter la guerre, du moins au début. Vous allez devoir rendre très très rapidement la ville de Valence, défendue par le Cid, et la ville de Saragosse. Le but, en fait, c'est de passer les premiers tours à rush. Alors, pour reprendre la ville de Valence, il va falloir envoyer le plus de renforts possible pour renforcer l'armée, mais il faut y aller très vite pour empêcher que les morts la prennent. C'est pareil pour Saragosse, il va falloir vous guider un peu. Et là, j'ai fait une erreur, c'est-à-dire que certaines de ces troupes vont devoir aller en haut, prendre, enfin, du moins aider avec potentiellement quelques renforts à prendre Saragosse. Le but, vous voyez, vous êtes aussi faible que vos voisins. Une guerre contre eux, ce serait très compliqué, très dur à jouer. Il vaut mieux, dans ce cas, chercher plutôt à faire du commerce avec les deux sans faire d'alliance. Je ne pense pas pouvoir m'y rendre, si monsieur. Vous prenez les différentes villes, à part en Afrique, où les morts pourront s'étendre, ils seront bloqués. Ça veut dire également qu'en cas de guerre, si jamais vous prenez Pamploum, Lisbonne est à poil. Et avec vos unités bien plus puissantes faites dans les châteaux, vous allez pouvoir les écraser.
Donc pour ça, il faut très rapidement rush. En fait, il va falloir développer toute votre partie sur, je passe mes premiers tours. Mes premiers tours, c'est 40 à peu près, à rush les villages rebelles pour ensuite vous retourner donc sur les territoires de Libéria, à savoir Navarre, Portugal et Cordoue-Grenade. L'une des forces de l'Espagne, ça va être sa richesse. Vous avez la possibilité de mettre des marchands, de faire des mines. Les châteaux, peu de châteaux que vous avez, rapide pour, mais on fait pas mal de flouze. Vous n'en avez pas besoin. Tolède suffit à mater les menaces en soi au sud. Pamploum va vous permettre d'aller plus au nord et en gros, la tactique repose sur la vitesse. Vous pouvez vous développer uniquement en Ibérie. Suffisant au terme d'économie pour manger tous les petits voisins et vous attaquer ensuite à la France. Mais si vous êtes assez rapide, vous allez pouvoir prendre Bordeaux et au début aux mains des rebelles avec une petite armée de cavaliers par exemple, ça suffit. Voire prendre Brest. Oui, dans une autre partie que j'ai faite avec l'Espagne, dont on va voir un extrait, autour à peu près 40, Bordeaux n'était toujours pas prise, Brest non plus. Ça arrive notamment lorsque la France n'a pas la possibilité de se développer, notamment à cause de Milan. Surtout, vous voyez que Milan a pris Dijon et que Milan est en guerre avec la France. Il y a de fortes chances que vous puissiez, pardon, prendre Bordeaux et du coup Brest. Donc il va falloir aller assez vite. Là, on est au tour 16, vous voyez, j'ai vraiment rush le plus possible. Contrairement aux armées mortes qui semblent nous dire qu'on est en guerre, on est encore en paix. Il va falloir donc faire assez vite. Il va falloir faire une grosse économie, vous allez pouvoir rapidement vous développer, n'hésitez pas, et faites des bâtiments, faites du commerce, de l'économie. Gardez quand même Tolède, il faut la renforcer pour avoir des troupes un minimum compétentes, les armées espagnoles sont assez particulières, et jouent beaucoup sur les ginettes et sur les javelins qu'il va falloir apprendre à maîtriser, qui sont particuliers. C'est pas des bougiers, ça c'est sûr, mais en général c'est surtout votre cavalerie qui va faire la différence. J'ai oublié de le rappeler, mais quand vous faites un siège, pensez à ne pas faire d'assaut et attendre que la ville se rende ou fasse une sortie. C'est beaucoup, beaucoup plus simple. Donc comme je vous l'ai dit, pour le Portugal, si jamais vous voyez une occasion, prenez Pamploum. Et du coup, Lisbonne sera littéralement à poids et ne pourra rien faire. À vos ordres. Là, j'ai dû sortir mes troupes, vous voyez, une armée avec des bons petits javeliniers comme on les aime, de la cavalerie. Il se trouve pas grand-chose pour prendre la ville. Même baisser un petit peu l'imposition parce qu'ils sont pas contents. Vous pouvez au choix attaquer soit d'abord les morts, soit d'abord le Portugal, mais dans tous les cas, il faudra détruire les deux factions. Pour les morts, c'est peut-être un peu plus compliqué. Ils ont quand même de bonnes armées. Même si leurs villes sont assez proches de vous et assez vulnérables, il faudra des troupes pour les tenir, du fait qu'il y a une conversion à faire, je vous le rappelle. Et en plus de ça, ils ont Marrakech et potentiellement Alger. Et si vous n'avez pas de bol, ils auront Tombouctou, ils auront Tunis, peut-être même Cagliari. Même si en général c'est tellement bordé dans la zone que ça change très vite dès que les morts commencent à décliner un peu. Faites de la thune. Toujours important. Beaucoup de thunes. N'hésitez pas à dépenser tous les tours, tout l'argent que vous gagnez dans des bâtiments. Même si vous gagnez plus grand chose après, c'est pas grave. Vous allez développer tellement vite votre économie qu'à la fin, quand vous aurez des bâtiments beaucoup trop chers, bah vous gagnerez quand même beaucoup d'argent, donc vous pourrez en faire de temps en temps. Et ça, c'est la force de l'Espagne, c'est de ne se concentrer que sur ses problèmes internes. Bon, or faites gaffe par contre, parce qu'en difficulté très haute, Bordeaux, si vous la prenez, la France vous fera un petit peu la gueule. Et voilà, il va falloir penser à se concentrer du coup sur votre économie interne. C'est vraiment très important, est-ce que vous pouvez vraiment vous développer. On n'est pas comme avec la Sicile, qui a principalement des châteaux, comme avec la France, qui est menacée de partout. Vous n'avez pas de menace, c'est vous la menace. Pensez à faire une économie. Donc voilà ce que ça donne une fois que les morts sont détruits. À Marrakech, c'est compliqué de faire tenir l'ordre public. Mais une fois converti, vous gagnez énormément d'argent grâce à vos mines. Pensez, je vous conseille de mettre des points d'observation partout. Ça vous permet, et notamment dans les montagnes, c'est assez important. Ça vous permet de voir si jamais il y a des hérétiques, mais également de voir si jamais il y a des rebelles qui sont près de chez vous et qui vous bloquent vos routes commerciales. Voilà, c'est la partie dont je vous parlais, celle avec Rennes qui est encore rebelle, donc j'ai même pas à faire la guerre contre la France pour la prendre. Bon, Toulouse, c'était pas la même chose. Du coup, voilà, quand vous avez détruit les morts, vous avez deux, soit trois possibilités. Soit vous partez
continuez à développer votre économie, donc vous faites une bonne armée. Après avoir converti, hyper important, les deux zones, Tombouctou et Erguin, vous les convertissez, vous envoyez des armées prendre les villes. Ça vous permet de vous développer, d'autant que il y a les trois ressources les plus rentables de tout le jeu. Un marchand, même mauvais, vous rapportera plus de sang avec les esclaves, l'or et l'ivoire. Même les plus mauvais. Alors imaginez les bons marchands. De plus est, vu la zone, vous risquez pas de rencontrer d'autres marchands ennemis pour vous piquer vos marchands. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Sinon, deuxième solution, faites la guerre à la France. La France est faible, vous pouvez facilement annexer la plupart de ces villes. Elles seront quand même bien défendues, surtout Marseille et Paris. Mais globalement, ça ira. Vous avez largement l'économie pour faire de bonnes armées de chevaliers féodaux. Vous pouvez prendre leur château, prendre leur ville, ou couper Marseille, déjà ils perdent vraiment beaucoup. Développer également une flotte, ça va être très important pour taper tous les méchants messieurs que vous allez trouver. Hein, parce que entre les Français, les Milanais, les Siciliens et compagnie, il y aura du monde. Donc voilà, n'hésitez pas. Ce qui va être le plus dur pour l'Espagne, ça va être de récupérer le nombre de villes. En effet, là par exemple, je suis à 26, mais parce que j'ai pris énormément de villes en France. Sinon, vous voyez, il y a quand même assez peu de villes sur la péninsule ibérique, assez peu de villes en Afrique, donc c'est pas là que vous allez vous développer. Moi, ce que j'ai pris comme partie, c'est de manger la France et la Sicile. Oui, je fais les deux. Bon, en même temps, le pape, il aimait pas la Sicile, il m'a demandé de le manger. La Sicile était faible, j'en ai profité. Donc voilà, mon gros souci, par contre, du coup, c'est au niveau de la France, parce que forcément, vous touchez à la France, Milan, ils vous aiment pas des masses, parce qu'ils veulent quand même les terres pour eux. Donc, face à eux, il n'y a pas 36 solutions. Continuez de faire des grosses armées, peut-être un peu d'artillerie. Vous avez une économie qui est très forte, logiquement. Vous voyez, Tolède, que je transforme en ville, gagne 5000. Bordeaux, presque autant. Vous pouvez vraiment vous faire une énorme économie. Et passer cette économie vers l'est en envoyant vos armées. Le plus compliqué, en fait, c'est que les villes, en soi, pas développées, ne produisent que peu de troupes de qualité. Cependant, dans des villes très développées, à quoi elle ? Voilà. Vous allez pouvoir avoir les milices DPS qui sont quand même de bonne qualité, les piquets de carré espagnols, et en plus de ça, quand vous avez la thune de faire le bâtiment, vous pouvez avoir les gendarmes très 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 tôt. Déjà, le bâtiment qui est ici. L'école militaire est assez rapide à débloquer, je pense que vers le tour 50-60 on peut l'avoir. Et si vous enchaînez, parce que la ville est assez grosse, direct après avec l'école d'officiers, vous avez des gendarmes, donc des troupes de fin de jeu, très vite. De la même manière que si vous désirez le faire, vous pouvez, alors j'ai plus de plateau ici pour le faire, c'est dommage, vous pouvez monter vos villes et avoir vos nobles chevaliers très très vite. Il n'est pas rien. Vous pouvez y penser. N'hésitez pas à convertir les châteaux en ville pour apporter plus d'argent, surtout quand, par exemple, en Espagne, vous n'en avez plus besoin. C'est important. Et pour ce qui est du voyage à l'est, donc vous voyez, moi j'ai envoyé une armée un peu tard pour prendre la ville. J'ai déjà mes marchands sur place, j'ai déjà converti la plupart de la zone. Donc voilà, c'est vraiment très important parce que sur place, ça fait mal. Heureusement qu'il n'y a plus les morts pour embêter, mais sur place, ça fait mal. Hein. Là, à 30%, j'ai déjà 25 de troupes religieuses. N'hésitez pas non plus à faire une petite croisade. Là, j'en ai fait une sur le Caire, je suis en train d'en faire une sur Jérusalem. Ça permet de vous étendre plus facilement qu'avec juste une guerre contre eux. C'est quand même compliqué de tenir la zone, je suis d'accord, mais avec une bonne flotte pour les bloquer, vous coupez leur économie et les empêcher de vraiment vous attaquer. Si vous avez la possibilité de relancer une autre croisade directement après, en Jérusalem, à Crantioche ou quelque chose comme ça, vous allez pouvoir faire venir plus de monde, donc on va être plus longtemps les Mamelouks. Et bah, les défoncer tout simplement, hein. Même là je pense qu'en réseau auto ça devrait passer. Allez, on fait le test de manière à la sauvegarde. Voilà, elle est faite. YOLO! Boum! Et victoire. Oh, c'est réussi! Oh lolo! Oh mon dieu! Merci de nous avoir livré la victoire! Gloire à Dieu! Nous sommes vainqueurs! Allez, on va jouer historique. Je suis un grand malade. Donc ouais, récit de la croisade, oh là là, oh mon dieu. Le plus important, c'est pas ça, c'est qu'est-ce qu'on a gagné. Le Saint Calice, c'est toujours sympa. On aime les calices. Par contre, on en parle de ta loyauté, gars, sérieux? Mauvais croisé, là.
Donc voilà, n'hésitez pas, des petites croisades de temps en temps, des îles en moins là, par Acre, une catapulte et ça tombe quoi. Donc pareil, Gaza, un bon piège dans les règles, ça tombe. Et après, c'est pas avec Antioche et Angola qui vont arriver à faire grand chose, les Mamelouks. Donc si vous souhaitez vous étendre à l'Est, balancez des croisades dès que vous pouvez. Vous avez largement l'économie pour faire des grosses armées. Vous avez largement l'économie pour faire des galères de guerre à plus savoir comment faire. J'en ai partout. Non, parce que forcément, les Milanais, ils en sortent souvent. Les Français, ça arrive. Les Siciliens, c'est pareil, ils en sortent souvent. Donc faut vraiment pas hésiter. Le plus dur, ça va être en fait de vous étendre en Europe. Et par contre, c'est le plus important parce que vous avez besoin des régions si vous voulez faire la grande victoire. Alors, la victoire courte, rapide à faire. Et vraiment très rapide en 60 tours, c'est réglé. Sincèrement, 60 tours, c'est réglé. 20-30 tours pour prendre des villes rebelles. Du 30 à 40, vous bouffez le Portugal. Du 40 à 50, vous bouffez les morts. En gros. Grosso merdo. Et après, il vous suffit soit de vous étendre sur les îles de la Sicile ou en France pour avoir vos 15 villes, donc c'est très rapide. L'Espagne est une faction qui est facile parce qu'elle est riche. Elle est faible au début, mais tellement riche qu'elle se développe beaucoup plus vite que ses voisins. Donc il faut en prendre. L'utiliser en fait ça pour justement devenir surpuissant et faire de grandes choses. Hein. Je vous conseille quand même de rester, c'est une faction qui a vraiment besoin de la foi, donc restez en bon terme avec le pape. Parce que comme la moitié, voire plus de vos villes sont en territoire qui à la base sont soit morts, soit égyptiennes, soit quelconque, mais de religion pardon musulmane. Il y aura forcément des conflits religieux, et les conflits religieux, c'est jamais bon pour l'ordre public. Donc voilà. Et forcément, pensez à prendre vos garnisons de ville, à augmenter vos villes. Est-ce que de toute manière, vous allez pouvoir avoir de très bonnes troupes par la suite? Quand ça coûte zéro d'entretien, c'est sympatoche. Voilà. Allez, sur ce, je pense que j'ai fait le tour pour cette faction qui est quand même surpétée totalement. Donc l'Espagne, faction que je conseille vraiment si vous souhaitez commencer. Je sais que je l'ai dit aussi pour l'Angleterre, mais l'Angleterre, c'est ce qui permet de se développer tranquillement dans son coin. L'Espagne, vous êtes souvent en conflit, mais jamais en guerre longue. C'est-à-dire que vous allez tout le temps vous développer, faire une attaque qui va détruire l'adversaire, vous développer, faire une attaque qui va détruire l'adversaire. Il y aura quasiment, à part peut-être dans cette zone-là, pas de grands conflits qui vont durer des années avec des troupes qui bougent, qui bougent, qui bougent. Il faut envoyer constamment des renforts. Et pas non plus, ça, vu qu'il y a peu de villes, vous allez pouvoir vous développer tranquille, faire une grosse armée, prendre une ville, ce qui va détruire une faction. En gros, c'est ça. C'est une ville, une faction, presque. Vous prenez Cordoue, c'est pas avec les grenades qui va faire l'argent pour avoir des troupes. Vous prenez Grenade, c'est pas avec l'Afrique qui va réussir à survivre. Donc voilà. Prenez Pamploum, il n'aura pas assez de troupes pour défendre Lisbonne. Vous prenez Lisbonne, il n'aura plus de fric pour faire des troupes à Pamploum. Donc c'est vraiment une faction qui est pétée parce que son début de jeu est très simple. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Normalement, la prochaine faction que l'on verra dans comment gagner, ce sera Carthage. Allez, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Salut les gens.